Le livre du commencement, Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action de Simon Sinek, best-seller New York Times, livre phénomène, le TED Talk Start With Why est un des plus visionnés au monde. J'aimerais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans un monde qui ne commence pas par le pourquoi? Comment une organisation qui ne connaît pas son pourquoi attire-t-elle des collaborateurs ou des clients? En fait, elle nous manipule. Elle essaie de nous convaincre sans cesse. C'est par des promotions, par des prix, par la peur aussi certaines fois. Et donc la manipulation, oui, elle marche. Et d'ailleurs, je vais vous avouer que, bien sûr, certaines fois, je la pratique moi-même aussi avec mes enfants, par exemple. Sauf qu'il y a un problème avec la manipulation. Si on n'agit que en manipulant les gens, sur le long terme, on casse les liens, on casse les relations. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les collaborateurs sont désengagés, les clients n'ont plus la même loyauté qu'ils avaient avant. Et donc Simon Sinek nous propose une alternative à tout cela, une nouvelle perspective. Et cette perspective, elle commence par le why, elle commence par le pourquoi. Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi mon organisation existe? Quelle est la cause qui m'anime? Et en fait, dans ce monde qui commence par le pourquoi, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de convaincre. En fait, on attire les personnes qui pensent exactement la même chose que nous et ça se fait de manière très naturelle. Je vais vous lire un extrait qui illustre très bien cela. C'est en anglais. In the summer of 63, a quarter of a million people showed up to hear Dr. King deliver his I Have a Dream speech on the steps of the Lincoln Memorial. But how many people showed up for Dr. King? Zero. They showed up for themselves. It was what they believed. It was what they saw as an opportunity to help America become a better version of itself. It was they who wanted to live in a country that reflected their own values and beliefs that inspired them to get on a bus, to travel for 8 hours to stand in the Washington sun in the middle of August to hear Dr. King speak. Being in Washington was simply one of the things they did to prove that they believe. Ce qui est incroyable avec le pourquoi, avec le why, c'est que nous avons tous un why. Nous avons tous un pourquoi. Pourquoi aujourd'hui je tourne cette vidéo? Pourquoi j'ai enfermé mon mari et mes enfants dans la pièce d'à côté? Parce que moi aussi, je crois en quelque chose. Je crois que nous avons tous le droit de nous réaliser au travail. Je crois que nous pouvons tous nous réaliser au travail. Je crois que si on essaye de se remettre en question, si on a le courage d'aller vers ce qui est réellement juste pour nous, on peut, on est capable de changer nos organisations et de les rendre plus humaines et plus éclairées. Et j'y crois profondément. Si vous n'avez pas encore trouvé votre why, je vous propose le deuxième livre, Find Your Why, également par Simon Sinek, coécrit avec David Mead et Peter Docker. Et c'est ici que vous allez trouver le guide pratique pour trouver votre why personnel ou organisationnel. La méthode est très intéressante. Vous allez voir qu'elle va chercher, bien sûr, à l'intérieur de vous, dans votre histoire personnelle. N'hésitez pas à me dire quel est votre why, si vous le connaissez déjà. Et sinon, start with why et find your why.